Je serai un supporter de l'OM. Dans l'ensemble du soleil, voilà, avec toujours ces pluies sur le golfe du Lion et jusqu'à la Corse. Je vous souhaite. Alerte, alerte, nouveau teaser de Modern Warfare. Hein ? Comment ça ? C'est parti. Ha ha ha, yo tout le monde, mesdames et messieurs, ça y est, le premier teaser officiel est enfin sorti pour le prochain Call of Duty Modern Warfare et le trailer arrivera demain. Vous pensiez que Detective Mabs s'est trompé? Eh ben vous aviez faux, c'est bel et bien le 30 mai que le trailer, le reveal sera. Et aujourd'hui on a eu le premier teaser, je ne l'ai pas encore vu, on va le regarder ensemble baby. J'ai hâte, il dure pas beaucoup de temps. Mais j'ai autre chose aussi à vous dire après le teaser, parce qu'il y a le logo officiel du jeu qui vient d'être dévoilé. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, mettez des pouces bleus. Faut que cette vidéo atteigne 1000 likes minimum. Vous m'avez entendu? Sinon Detective Mabs viendra et vous découpera. On y va, c'est parti, teaser! C'est le premier de l'année, c'est le premier de Call of Duty en général, j'ai hâte! Let's go baby, je pense qu'ils vont, ils vont rien nous montrer, mais on sait jamais! On y va, c'est parti! Donc la qualité risque d'être un peu dégueu, parce que c'est le lecteur Twitter, on le connaît, hein. N'hésitez pas, Homabs, pour me suivre sur Twitter, je publie tout. Tout ce qui est lié à Call of Duty, tout ce qui est lié à n'importe quoi. Donc viens follow, dépêche-toi, on y va, je suis un peu excité comme une puce, ça dure 21 secondes de pur bonheur, on est dans la hype, baby. C'est parti, 3, 2, 1, on y va. Y'a rien, mais ça me met la hype, c'est fou, hein. Attendez, je vais le mettre en français, ça va rien changer, mais la date va être en français, vous allez voir. Mais on y va, le reveal, c'est demain, baby, 18h30 sur ma chaîne YouTube, et 19h pour le reveal complet. On y va, on se la remet, on se la repasse. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on entend? Ouvrez vos oreilles, fermez votre bouche, et on y va, soyez attentifs. Déjà, il y a un peu de bleu. Quelqu'un qui marche. J'ai un problème. Ils peuvent être partout. Oh my god! Je sais que c'est 21 secondes, je sais qu'il faudrait pas se mettre la hype pour rien, mais moi ça me met la hype le chat, hein. Je sais pas vous si ça vous met la hype ou pas, mais déjà ce petit, hein, cette petite ligne qui nous fait bien sûr penser à tous les Modern Warfare qu'on a connus, hein. L'intro d'IW, l'intro de Modern Warfare 2, Code 4, MW3, enfin cette petite, hélas il y a des couleurs bleutées, aïe, je suis hypé le chat, hein. Je suis hypé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, de ce trailer, même si c'est en anglais, et on va avoir toutes les infos bien sûr demain dès le 30 mai, jeudi, bim! Voilà ce qu'il en était pour ce teaser. Maintenant, on va attendre demain pour avoir le full reveal. Et n'oubliez pas, 18h30 sur ma chaîne YouTube. Je le dis 4000 fois, mais soyez là parce qu'on va être ensemble. C'est une célébration, le chat. Hein. Va falloir fêter ça ensemble. Prenez des popcorns, je sais pas moi. Amenez votre grand-mère. Dites-leur, mamie! Mamie, c'est le trailer de Modern Warfare demain. Il faut être sur la chaîne de Mabs. Enfin, bref, ce n'est pas tout, messieurs, dames. Détective Mabs a encore une fois revêtu son plus bel habit pour vous montrer que le logo officiel a été leaké sur Reddit. Il y a seulement quelques heures. Et voilà, ce sont des informations toutes fraîches, hein. J'ai l'impression d'être un boucher. My big burger. On y va. Détective Mabs, il est pas pareil là. Reprenons notre sérieux, goddammit. Voilà ce qui a fait débat sur Reddit il y a quelques heures maintenant. Le logo officiel de ce qui serait Call of Duty Modern Warfare. Donc les rumeurs seraient confirmées. Voici le logo. Je sais pas quoi en penser, hein. Je le trouve un peu terne. Je le trouve un peu fade.
sais pas vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais Detective Mabs le trouve un peu... J'espère peut-être qu'il va être changé, peut-être qu'il y aura un peu plus de couleurs. Mais si c'est ça en tout cas, même si c'est ça, je suis content, je me contente de ce que j'ai. Je vous le dis, contentez-vous de ce qu'on a. Il y a d'autres images qui ont été leakées, donc c'est le post Reddit hein, qui est ici. Par exemple, ça c'est l'image originale qu'on a eue. Apparemment c'est quelqu'un qui s'occupe d'imprimer des t-shirts, des casquettes, qui a reçu ça il y a pas longtemps de la part d'Activision. Donc Call of Duty Modern Warfare au dos, envoie Activision 2019. Ça pourrait être du fake, mais moi je pense que c'est vrai. De toute façon, on aura la confirmation demain, comme je vous ai dit. Voici le post Reddit qui a été publié en même temps que ces photos-là. Et quelqu'un lui demande, où est-ce que tu as trouvé ça? Ça a l'air legit, mais si c'est pas legit, ça ressemble vraiment à un fake qui est bien fait. Et là, il répond, donc c'est Babis, hein, 95, le fameux Babis, 95. Personne ne le connaît, qui dit « Ma compagnie s'occupe d'imprimer des labels pour des vêtements, plus des étiquettes qui viennent de plusieurs licences qui envoient tout ça à sa compagnie. J'ai reçu ce design il y a quelques jours afin de les imprimer. Au début, je pensais que c'était quelque chose qui était pour la version remasterisée de Code 4, jusqu'à ce que je vois que le nouveau jeu est un reboot de la franchise. J'ai regardé, je suis retourné regarder l'image qu'on m'avait envoyée, et le logo Call of Duty ressemblait à celui qui avait été leaké. Donc, potentiellement, ça pourrait être vrai. Encore une fois, potentiellement, ça pourrait être du fake, que ce monsieur-là, Babis, pourrait être un menteur né, hein. Mais moi je pense que ça annonce de belles choses. Le logo, je sais pas trop en quoi en penser. N'hésitez pas à me donner une note sur 10 dans les commentaires. Moi je lui mettrai un petit 6,5 sur 10. Je pense qu'on peut mieux faire, mais à vous de me dire dans les commentaires ce qui se passe. Ce n'est pas fini messieurs dames. Vous le savez, demain jeudi à 19h, le trailer, le reveal de Call of Duty Modern Warfare sort. Et Call of Duty a déjà préparé son lien YouTube, la première, pour montrer la vidéo. Regardez, c'est actuellement sur YouTube ici. Ok. C'est actuellement ici sur YouTube. Le chat est déjà en feu. On va mettre... Salut! Voilà, le chat est en feu. C'est prévu pour dans 22h, à l'heure où je vous parle. Mais, vous le savez, hein, Detective Mabs fait les choses jusqu'au bout. Un Italien! Ça a été trouvé sur Reddit. Un Italien a passé sa souris dessus. Ça a été valable pendant quelques secondes seulement. Un Italien a passé sa souris dessus. Il a déjà pu avoir quelques images. Quelques images de cette première. Parce qu'en passant ta souris dessus, tu peux voir quelques images de ce que va donner la prochaine vidéo. Et regardez ce que ça donne. Je sais pas si vous le voyez bien. Soldat qui saute et qui arrive dans une ville. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un Italien, il s'appelle Struzzi. On dit merci à Struzzi d'avoir passé sa souris dessus. Voilà toutes les infos qu'on a à ce jour sur Call of Duty Modern Warfare. Mais bien sûr que tout le reste va arriver demain. Tous les youtubeurs qui ont été invités à LA ont enfin pu ouvrir leur bouche en disant « Je suis allé à Los Angeles, j'ai été invité !» On le savait, Detective Mabs est allé jusqu'au bout. Enfin bref, voilà, vous avez vu le teaser officiel. J'espère qu'il vous plaît. Rendez-vous demain, je suis hypé. Si vous n'êtes pas abonné, qu'attendez-vous pour vous abonner à cette chaîne? N'hésitez pas à activer la cloche des notifications. On se voit demain tout le monde. Passez une bonne nuit. Soyez prêts pour demain. Et je vous fais des gros bisous. C'était Mabs, le Detective Mabs. Ciao, bye bye.